Bonjour à tous. On considère une expérience aléatoire qui consiste à observer des souris qui sortent d'une cage. Alors, il y a deux types de souris dans la cage, des souris blanches et des souris noires. On a ici le nombre de souris blanches, 7, et le nombre de souris noires, 9. Alors, ces souris sortent au hasard. Donc, on a 16 souris. Chaque souris a la même probabilité de sortir de la cage. Et une fois qu'une souris est sortie, elle ne va pas retourner dans la cage. Et on voudrait donc modéliser l'expérience qui consiste à observer la couleur des deux premières souris qui sont sorties. Donc on peut modéliser très simplement cette expérience par un arbre. La première souris qui sort, bah, l'événement N1 consiste à dire que la première souris qui est sortie est noire. Et on a deux possibilités. Donc au niveau de la première souris qui est sortie, soit elle est noire, soit elle est blanche. Alors en réalité, nous avons 16 résultats écu probables possible, mais nous on va s'intéresser à la couleur de la souris, donc en réalité on va les regrouper. On a 9 souris noires, donc ici en réalité il y a 9 branches sur 16, hein. Et donc ça c'est la probabilité d'avoir une souris noire, puisqu'on a 16 résultats écu probables, 16 souris, et il y en a 9 qui donc ont la propriété je suis une souris noire, et il y en a donc 7 qui ont la propriété, je suis une souris blanche. Comme les résultats sont écu probables, bien, le calcul de probabilité, c'est simplement le nombre de cas favorables, le nombre de résultats qui réalisent l'événement que je considère, divisé par le nombre de résultats total. Et donc on a bien ici 9 sur 16 et ici 7 sur 16. Et donc ensuite, il y a une deuxième souris qui va sortir. Ben, donc celle-ci a encore deux possibilités. Soit cette souris est noire et donc la deuxième souris qui sort est noire, soit cette souris est blanche. Et donc la deuxième souris qui sort est blanche, événement B1, ah B2, pardon, B2, donc c'est l'événement, la deuxième souris qui sort est blanche. Et alors cet événement, ces événements N2 et B1 peuvent se réaliser de deux façons différentes, soit en ayant eu une première souris noire, soit en ayant eu une première souris blanche. Et donc vous voyez donc apparaître ces deux événements à deux endroits différents de l'arbre. D'accord? Voilà. Et alors bah, là, si vous voulez, quelque part, on se retrouve dans une situation où on a 15 souris, donc la première souris étant sortie, il n'en reste plus que 15 dans la cage. Et alors, si la première souris qui est sortie est noire, ben, il n'en reste plus que 8. Donc ici, j'aurai 8 sur 15, qui est la probabilité d'avoir une souris noire, sachant qu'on a eu une souris, enfin une souris noire en deuxième, sachant qu'on a eu une souris noire qui est sortie en premier. La même probabilité ici de N2. Sachant que B1 ici qu'une souris blanche, ben j'ai toujours 9 souris noires dans la cage, alors qu'il n'y en a plus que 15, puisqu'une est déjà sortie. Donc on a évidemment une probabilité plus grande ici. Alors pareil, donc ici B2, ben j'ai toujours 7 souris blanches dans la cage sur 15. Donc la probabilité que la deuxième souris qui sorte soit blanche, c'est 7 sur 15. Et ici, ben j'aurai simplement 6 sur 15. Et on vérifie bien que 9 et 6 égale 15. C'est tout à fait cohérent. Donc on a ici décrit l'expérience aléatoire qui consiste à observer donc les deux premières souris qui sont sorties, en particulier observer leur couleur. Donc on a quatre résultats possibles qui ne sont pas équiprobables, hein. On a soit la première souris est noire et la deuxième est noire. On a soit la première souris est noire et la deuxième est blanche. On a soit la première souris qui sort est blanche et la deuxième est noire. Et on a soit la première souris qui sort est blanche et la deuxième souris qui sort est noire. Alors on peut s'intéresser à la probabilité de ces quatre événements-là qui ne sont pas équiprobables, encore une fois. Alors comment je peux faire ça? Ben pour avoir l'événement donc N1 et N2, ben j'ai 9 branches en fait ici qui m'amènent à N1. Et pour chacune des 9 branches que j'ai ici, ben j'en ai 8 qui me permettent d'obtenir N2, puisqu'il y a 8 souris qui vont me permettre d'obtenir l'événement noir en sortie. Il y a 8 souris noires encore dans la cage, et si une des 8 souris sort, ben j'ai 8 possibilités encore ici. Donc ce qui fait au total 9 fois 8 possibilités. Et là encore, je raisonne dans une situation équiprobable, je raisonne au niveau des souris. Donc en fait, le nombre total de résultats possibles ici, c'est 16 possibilités pour la première souris, fois 15 possibilités pour la deuxième. Et là, j'ai donc mon événement, la probabilité de l'événement, N1, N2. Je pourrais dire N1 et N2, hein, d'ailleurs. C'est très bien aussi. Et alors, ben, on peut faire le même calcul pour... Mais avant de faire les calculs pour les autres résultats, il est intéressant de découper en fait cette probabilité que j'ai trouvée en deux probabilités. 9 sur 16, bah, c'est en fait la probabilité d'avoir une souris noire en premier. Et ensuite, la probabilité ici
8 sur 15. C'est la probabilité d'avoir N2 en sortie, une souris noire en deuxième, sachant que j'ai eu une souris noire en premier. Et en fait, on peut très bien écrire cette formule-là comme étant égale, ça c'est égal en réalité, à, donc je vais écrire en vert le 9 16e, c'est la probabilité d'avoir N1, multiplié par, donc je vais changer de couleur, ici je prends de rouge, multiplié par la probabilité, donc la, cette probabilité ici, 8 15e, la probabilité d'avoir N2, une souris noire en deuxième, divisé par, sachant que, pardon, j'ai eu une souris noire en premier. Voilà. Donc on peut faire le calcul également pour les autres situations. Donc N, une souris noire en premier et une souris blanche en deuxième. Ben, je vais avoir pareil. Donc j'ai 9 possibilités pour une souris noire en premier, fois. Eh bien, une souris blanche en deuxième, il n'y a pas encore de souris blanche qui sont sorties, donc j'en ai 7, 9 fois 7. Donc j'ai 63 possibilités, encore une fois, hein, 9 possibilités pour un 1, et pour chacune de ces possibilités, j'ai 7 possibilités pour la souris blanche en deuxième, et divisé par le nombre total de résultats, donc équiprobables, 16 fois 15. Et donc, je retrouve ici la probabilité d'avoir un 1, fois la probabilité d'avoir B2, sachant un 1. Qui est 7 sur 15. Et ici, la probabilité ici, c'est pour avoir B2, sachant N1. Et alors, on peut continuer. Ici, je vais avoir 7 fois 9, c'est-à-dire encore 63, divisé par 16 fois 15. Et au passage, donc, je retrouve la même probabilité que celle de dessus. Donc, noir en premier, B en deuxième. C'est la même chose que B en premier et noir en deuxième. Et alors, bah, ce serait, si je l'écris, c'est qu'à la probabilité de B1 fois la probabilité d'avoir N2 sachant B1. Et ces deux probabilités sont égales. Et alors la dernière possibilité, donc j'ai 7 possibilités pour la blanche en premier, fois 6 possibilités pour avoir une blanche en deuxième, donc 7 fois 6, 42, divisé par 16 fois 15. Donc ça, c'est la probabilité d'obtenir 2 blanches. Et là, j'ai la probabilité d'obtenir deux noirs, évidemment. Et une noire, une blanche, j'ai deux chemins qui mènent à une noire, une blanche, et je remarque que ces deux chemins ont la même probabilité. Donc là, c'est P2B1 fois P2B2 sachant B1. 6 sur 15, je le retrouve ici, c'est bien P2B2 sachant B1. Donc vous voyez, j'ai calculé à la fois en raisonnant en termes de situation équiprobable, et également, et on voit que ça revient à faire le produit des probabilités de chacune des branches pour obtenir donc le résultat à la fin de ce chemin. Donc voilà, là on a modélisé notre expérience à l'aide d'un arbre, et on a calculé toutes les probabilités qui pouvaient être intéressantes, hein, probabilité donc N1, probabilité B1, probabilité de N1 et N2, N1 et B2, B1 et N2. Alors maintenant, je pourrais aussi chercher la probabilité d'avoir N2, avoir N2 en sortie ici. J'ai deux chemins, donc il faudrait que je fasse la somme de ces deux chemins, donc la somme de cette probabilité-là, plus cette probabilité ici. La somme de ces deux probabilités me donne la probabilité d'avoir N2, et B2, c'est pareil, j'ai deux chemins qui m'y amènent, donc eh bien, je vais additionner les probabilités de chacun des chemins. Hein. Plus j'ai des chemins qui vont m'amener au résultat voulu, hein. Ici l'événement qui m'intéresse c'est une blanche en deuxième, eh bien, donc si j'ai deux chemins dans l'arbre qui m'amènent à cet événement, il faut évidemment que j'additionne la probabilité. En réalité, hein, on pourrait écrire que B2, l'événement B2, ben, c'est égal, en fait c'est... Il est réalisé quand on a réalisé N1. Enfin, je vais essayer de l'écrire. Attendez, je vais. B2, c'est l'événement B2 est égal à l'événement N1 et B2 où donc B1 et B2. Mais alors pour mieux voir ce genre de formule. Dans ce cadre-là, où on a deux niveaux dans notre arbre, on peut modéliser l'expérience par un tableau à deux entrées. Alors si j'avais un troisième niveau, je ne pourrais pas le faire. Mais avec deux niveaux, je peux le faire très bien. En réalité, la première souris qui sort
partitionne mon ensemble des résultats possibles. Je fais soit N1 en premier, soit B1 en premier. Et le fait d'avoir N2 en premier partitionne également mon deuxième résultat. J'ai deux résultats possibles, une partition donc du deuxième résultat, enfin j'ai une autre partition de l'ensemble total des résultats avec l'événement N2 et l'événement P2. Alors concrètement, ça donne quoi? Concrètement, ça me donne un tableau à deux entrées comme ça. Donc avec en ligne ou en colonne, donc le premier ici le résultat de la première souris qui sort, donc soit N1, soit N2, c'est ma première partition de l'ensemble des résultats. Si je prends un résultat ici, un résultat final, il a soit N1 en premier, soit B1 en premier. Et si je prends également un des résultats ici, alors il a soit N2 en deuxième, soit B2 en deuxième. Donc j'ai bien ici partitionné une deuxième partition de mon ensemble des résultats. Et quand on fait un arbre à deux entrées, on a en réalité deux partitions de l'ensemble des résultats possibles. Ici, la case qui est ici correspond à l'événement N1 et N2, le premier qui est là. Cette case ici correspond à l'événement N1, B2, qui est le deuxième ici. Cet événement ici correspond à B1, N2, c'est le troisième qui est là. Et l'événement qui est ici correspond à B1, B2, qui est le quatrième événement possible. Et en réalité, on voit apparaître ici aussi un diagramme de Venn, mais simplement dessiné sous forme rectangulaire. Alors, ce qui peut être intéressant dans mon tableau à deux entrées, c'est de faire apparaître également les sommes. Voilà, donc on va rajouter une ligne et une colonne en plus. Et alors, voilà. Et on pourrait faire apparaître dans ce tableau. Alors le nombre total de résultats possibles, c'est 16 fois 15. Donc ici, il faudrait écrire le nombre 16 fois 15. 16 fois 15, ça donne... Je prends ma calculatrice. Donc j'ai 240 résultats possibles. D'accord. Donc N1, N2, N1, N2, j'en ai 9 fois 8, c'est-à-dire 72. 9 fois 8, donc j'ai ici 72 résultats qui m'amène à du N1, N2 sur les 240. Ici, N2, alors évidemment, si je fais 72 sur 240, j'obtiens la probabilité d'avoir N1 et N2. Combien j'ai de résultats qui ont N1 et B2? C'est 9 fois 7. Donc ici, j'ai 9, donc N1, B2, c'est ici, j'ai 63. 9 fois 7, ça fait 63. B1, N2, ben, ça fait encore 63 ici. Et 7 fois 6, ça fait 42 là. Donc si je fais la somme ici, 72 plus 63, ça fait 135. Si je fais la somme ici, j'obtiens 105. Et je vérifie bien que 135 plus 105, ça fait bien 240. Alors ici, j'ai 72 plus 63, ça va faire 100. 7 et 6, 13, donc ça fait encore 135 ici. Et ici, 63 plus 42, c'est la même somme que là. Je retrouve 105 ici aussi. Voilà donc mon tableau à deux entrées. Et à partir de ce tableau à deux entrées, je peux à nouveau recalculer les probabilités de N1 et N2, des quatre résultats ici donc élémentaires. Mais je peux aussi calculer simplement l'événement P2, les probabilités de l'événement P2. Donc à quoi va être égale la probabilité de l'événement P2? On a dit que c'était égal à ça. On va le retrouver ici. B2, je peux l'avoir ici. C'est N1 et B2. N1 et B2, c'est bien ce que j'ai là. N1 et B2, c'est ce qu'il y a dans la case ici. C'est le 63 en fait. Ici. J'ai 63 résultats qui amènent à ça. Quelle est la cardinalité? Quel est le nombre de résultats élémentaires? Donc là, je considère que je différencie les souris. On est bien d'accord. Donc j'ai 16 fois 15 résultats possibles. Et donc j'en ai 63 parmi ces 240 qui me donnent ce résultat-là. C'est bien la probabilité de N1 et B2 ici. Et alors ici, B1 et B2, B1 et B2. J'ai 42, c'est ici aussi, cette fois 6, 42. Résultat possible. Et donc, à quoi va être égal, pour essayer d'avoir B2, ça va être égal à 63 plus 42 divisé par 240. Vous voyez, on peut le retrouver avec l'arbre ici, où on peut additionner les probabilités qu'on avait déjà calculées ici. Ça revient strictement au même.
Voilà, donc voilà comment on peut faire. Et donc si je vous demande à partir de là, pour calculer la probabilité d'avoir B2 sachant par exemple P2, B2 sachant N1 par exemple, bah, comment je fais ça? Donc ça va être égal P2, B2 sachant N1. Donc B2 sachant N1, ça va être égal à donc probabilité d'avoir B2 et N1 divisé par la probabilité d'avoir N1, ça c'est la formule qui me donne ça. Et en réalité, je le retrouve bien ici, hein. B2 sachant N1, bah, c'est 63 chances, 63 possibilités, hein, B2 et N1, sur combien? Donc je sais que j'ai eu N2, donc si j'ai eu N2, il y a 135 résultats qui mènent à N2, donc c'est 63 sur 135. On peut vérifier qu'on a effectivement, on va retrouver ici B2 sachant N1, c'est-à-dire B2 sachant N1, c'est-à-dire 7 quinzièmes. On peut vérifier que 63 sur 135, ça fait bien 7 quinzièmes pour nos calculatrices. 63 divisé par 135, j'obtiens bien 7 sur 15. Donc voilà, il est intéressant de savoir naviguer entre ces deux représentations, un arbre et un tableau pour cette expérience-là. Mais évidemment, donc maintenant j'ai un petit peu compliqué la situation, je vais m'intéresser à la troisième souris qui sort de la cage. Et donc là, je ne vais plus pouvoir représenter mon expérience avec un tableau à deux entrées. Mais je peux continuer à développer mon arbre. Alors on va le reprendre sur une page suivante, ce sera peut-être plus clair. Donc je refais rapidement l'arbre. Alors B1 en premier, B2 en deuxième, pardon, excusez-moi, N1, je vais effacer, voilà, B2 ou N1. Donc première souris qui sort, c'est soit blanche, soit noire. Après, ben, j'ai mon arbre qui est découpé en deux ici, B2, N2, B2, N2, et il est encore découpé une troisième fois, B3, N3, B3, N3, B3, N3 qui correspond à B2 ici, hein, et le N2 qui est là, donc qui va donner également B3, N3. Et donc je me retrouve avec combien de résultats élémentaires possibles cette fois? Ben, j'en avais 4 à ce niveau-là, fois 2 ici, hein, ça fait 2 exposant 3, c'est-à-dire 8 résultats élémentaires, mais qui ne sont pas équiprobables, on est bien d'accord. Alors, maintenant, je vais m'intéresser aux probabilités de ces événements. Alors, ces événements, c'est soit B1, B2, B3, soit B1, B2, N3, B1, N2, B3, ainsi de suite, d'accord? Alors, et là, il est intéressant de faire une, on va faire une remarque assez importante. Donc, si vous voulez, donc je rappelle que j'ai, donc on a. Donc voilà, on a 7 souris blanches et 9 souris noires. 7 blanches, 9 noires. Donc on va l'écrire ici pour ne pas l'oublier. 7 souris blanches et 9 souris noires. Alors si je m'intéresse par exemple à la probabilité d'avoir B1, B2, B3, bah, c'est relativement simple. La probabilité de la branche B1, B2, B3, ça va être. Donc blanche, je tire une blanche en premier parmi les 16. Puis après il m'en reste 15, il ne me reste plus que 6 souris blanches. Voilà. Et puis après j'obtiens 5 fois 15. Bon, et c'est les probabilités qui apparaîtraient ici. 7 16e. Puis ici je vais avoir 6 15e. Et puis là je vais avoir 5 sur 14. Si je calcule la probabilité d'avoir B1, B2, N3. Eh bien, ça va être le départ va être le même, 7 sur 16, hein, je les ai des fois 6 sur 15, je les ai déjà écrites, hein, je suis obligé de passer par là. Mais ici, bah, ça va changer puisque je vais obtenir une souris noire, il en reste 9 sur 15. Donc ici, évidemment, 9 sur 14, pardon, à chaque fois, évidemment, une souris sort, donc il n'en reste plus que 14 ici. Donc ici, j'ai 9 sur 14. Et on peut continuer à calculer comme ça les probabilités, hein, juste pour bien comprendre comment ça marche. Donc si j'ai B1, N2, B3, ben ça va être quoi? Ça, B1, c'est 7 sur 16. Alors après, si j'ai une noire en deuxième, ça va être 9 sur 15. Et une blanche en troisième, donc j'en ai plus que 6 de blanche sur 14. Voyez? Et alors,
On va continuer parce qu'il est important de comprendre ce mécanisme. P2, B1, N2, N3. Donc je suis ici. Hein. J'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-ci, j'en suis à celle-ci, presque à la moitié. Hein. Donc vous voyez, ça va relativement vite. Donc B1, ben, j'ai 7 souris blanches sur 16 au départ. Des noirs, ben, j'en ai 9 sur 15 maintenant dans la cage. Et donc j'ai 9 chances sur 15 que la deuxième souris qui sorte soit noire. Et après, j'en ai plus que 8 noirs dans la cage sur 14. C'est la probabilité qu'une troisième souris qui sorte soit noire. Alors, ensuite, si je fais P2, N1, B2, B3. J'obtiens 7 sur 16. Alors B2, ben, j'en ai encore 9. J'en ai B2, j'en ai noir en premier, excusez-moi. Noir en premier, c'est 9 sur 16. Hein, n'écrivons pas n'importe quoi. Donc une noire en premier, c'est 9 sur 16. Et après, il me reste encore 7 blanches sur 15. Et si j'en ai encore une autre blanche, donc ça fera 6 sur 14. Vous voyez, on peut calculer très rapidement ces probabilités. Hein. Alors ensuite, donc là j'ai terminé celle-ci. J'en suis à la suivante, toujours en place. Donc N1, B2, N3 ici. Donc probabilité de N1, B2, N3. Alors N1, c'est toujours 9 sur 16. B2, ben, ça va être 7 sur 15. Et N3, ça va être 8 sur 14. Ensuite, ben, les deux dernières, hein, donc on termine. N1, N2, B3. Donc noir en premier, ça va donner 9 sur 16. Fois noir en deuxième, ben, ça fait 8 sur 15. Blanche en troisième, blanche en a encore 7 sur 14. Et la dernière, B2, N1. Donc j'ai une souris noire en premier, une souris noire en deuxième et une souris noire en troisième. Ben, ça va être 9 sur 16 fois 8 sur 15 fois 7 sur 14. Voilà. Donc là, j'ai su calculer les probabilités de toutes mes branches. Et alors, pourquoi j'ai fait ce calcul-là? Parce qu'on remarque en réalité que si on s'intéresse aux branches qui donnent deux blanches et une noire, eh bien, en réalité, on fait à chaque fois le même calcul. Deux blanches et une noire, je l'ai ici, je vais les entourer, ces résultats, en vert par exemple. Si je m'intéresse par exemple à deux blanches et une noire, ben, je l'ai ici, j'ai ce calcul ici. Deux blanches et une noire, ben, j'ai ce calcul-là. Et j'ai encore une troisième ici, une troisième branche ici. Donc les branches, je peux les dessiner ici, hein, deux blanches. Une noire. Donc je veux deux blanches en fait. Hein. Je veux dans mon circuit, je veux deux blanches. Une autre façon de l'obtenir, c'est ce chemin-là. Deuxième chemin. Troisième façon de l'obtenir. Donc je veux deux blanches sur mon chemin. C'est ce chemin ici. Donc là, j'ai dessiné les trois chemins où j'ai deux blanches à chaque fois. Et regardez les nombres que je multiplie en haut, c'est 7, 6 et 9. 7, 6 et 9. Alors pas dans le même ordre, mais j'ai toujours 7, 6 et 9. Et j'ai encore ici 7, 6 et 9. En réalité, ces trois branches ont la même probabilité. Donc pour calculer la probabilité, si je vous demandais de calculer la probabilité d'avoir à la fin obtenu deux blanches et une noire, eh bien je pourrais simplement calculer la probabilité d'avoir un chemin qui contient deux blanches et une noire et multiplier ce nombre par le nombre de chemins. Et donc ici, ben, le calcul, ce serait, hein, si je vous demandais de calculer la probabilité d'avoir une noire et deux blanches, peu importe l'ordre dans lequel je les obtiens, quelle est la probabilité d'avoir une noire et deux blanches donc à l'issue du troisième parmi les trois premières souris, donc en regardant les trois premières souris qui sont sorties, parmi les trois premières souris sorties. Eh bien, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à mes trois branches fois la probabilité de chacune des branches, puisque c'est la même pour tous, c'est-à-dire 9 fois 7 fois 6 divisé par 16 fois 15 fois 14. Alors ça me donne 9 fois 7 fois 6 divisé par, entre parenthèses, donc 16 fois 15 fois 14 que j'avais déjà, non, j'ai pas encore calculé ça. Donc 9 fois 7 fois 6 divisé par 16, c'est 1. Le tout fois 3. Ça me donne 27 sur 80. Donc environ 0,334, hein, environ 34
chances sur 100 d'obtenir deux souris blanches et une souris noire parmi les trois premières souris qui sont sorties. Alors ça, c'est encore réalisable avec un arbre, ce type de calcul, mais ce qu'il faut vraiment bien comprendre ici, c'est la méthode pour le réaliser. Donc, mais il y aurait en fait une autre façon de faire. Il y aurait une autre façon de faire. Alors, donc déjà, première remarque, hein, le 3 ici, je ne suis pas obligé de faire mon arbre pour comprendre qu'il y a trois branches qui réalisent cet événement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un résultat, ça va être quoi? Ça va être, quelle est ma première souris qui est sortie? Quelle couleur a ma première souris? Quelle couleur a ma deuxième souris? Quelle couleur a ma troisième souris? Et ces couleurs, c'est soit blanc, soit noir. Et donc, si je dis que j'ai deux blanches et une noire, ben, je peux faire B, B, N. En fait, combien j'ai de possibilités? Ben, une fois que j'ai choisi où je mets ma souris noire, soit en premier, soit en deuxième, soit en troisième, ben, je sais ce que j'ai eu pour les deux autres souris qui sont sorties et où elles se trouvent. Donc en réalité, vous voyez bien que le grand N ici, en fait, si vous voulez, ben, de combien de façons je peux placer une souris noire parmi ces trois cases? Ben, c'est le nombre de façons de choisir une case parmi trois. Et une fois j'ai choisi où j'avais mis ma souris noire, eh bien, mes souris blanches, ben, je vais les mettre dans les cases qui restent. Et donc, le nombre de branches, ben, je l'ai ici, c'est C1-3. Or, C1-3, ben, combien j'ai de façons de choisir une case parmi 3? Ben, j'ai 3 façons de le choisir. Hein. Et donc, c'est terminé. Or, j'aurais pu aussi raisonner avec les souris blanches. Donc, j'ai 2 souris blanches à mettre dans mes 3 cases ici. Donc, je pourrais aussi dire que ben, c'est la façon de choisir 2 cases parmi 3. Or, combien j'ai de façons de choisir 2 cases parmi 3 pour mettre mes souris blanches? Ben, j'ai 3 possibilités pour choisir la première case, fois 2 possibilités pour choisir la première case, mais comme l'ordre dans lequel j'ai mis mes souris noires n'a pas d'importance, hein, je divise par le nombre de façons d'avoir positionné mes 2 souris blanches, et donc j'ai 2 façons d'avoir positionné mes 2 souris blanches. Hein, peu importe, en fait, moi ce que je lis, c'est simplement blanche, noire, blanche, d'accord? Je ne sais pas distinguer autre chose que la couleur. Je ne sais pas distinguer quelle souris était blanche ici, quelle souris était blanche ici. En réalité, l'ordre n'a pas d'importance. On n'a pas d'importance à savoir si la souris blanche est sortie en premier, c'est celle-ci qui est sortie en premier, puis cette souris blanche est sortie en troisième. Ça n'a aucune importance. Moi, ce que je regarde, c'est le résultat global. J'ai mes 3 souris qui sont là. Je ne sais pas qui est en premier, qui est en deuxième, qui est en troisième. Mais j'ai bien 2 souris blanches et une souris noire. D'accord? Donc, j'ai bien 3 façons, et ici, si vous faites le calcul, 3 fois 2, 6, divisé par 2, j'obtiens évidemment 3 également, hein, puisqu'une fois que j'ai placé mes 2 souris blanches, ma souris noire, j'ai pas tellement le choix, je le mets dans la case qui est là. Donc on a toujours ce résultat-là, hein. Le nombre de façons de choisir un objet parmi 3 est égal au nombre de façons de choisir 2 objets parmi 3. En fait, si vous en prenez un parmi 3, ça revient à, si vous prenez un objet parmi 3, ça revient à choisir combien d'objets vous n'avez pas choisi, enfin, quels sont les objets que vous avez laissés parmi 3. Combien d'objets je peux laisser parmi 3, 2 parmi 3, si j'en ai pris un ici, 3 parmi 3. Enfin voilà. Donc on a toujours ce résultat. Par exemple, si je compare les nombres C5, 8 et C3, 8, ben, ces deux nombres sont encore égaux. La façon de choisir 5 objets parmi 8, c'est la même chose que de choisir 3 objets parmi 8, puisque les autres, ben, par automatiquement, sont également choisis. Tout simplement. Voilà, donc on n'aurait pas été obligé de faire l'arbre. Et à quoi ça va me servir, ça? Ben, ça va me servir, par exemple, pour déterminer le nombre. Alors, c'est dans la question bonus que j'avais posé en interrogation. On avait donc 7 nourris. Alors, souris, je ne me trompe pas, hein, on reste bien sur le même exercice. On avait 7 blanches et 9 noires. Donc 7 blanches et 9 noires. 7. Donc ici, hein. 7 souris blanches et 9 souris noires qui sortent donc une à l'une de la cage. Et je m'intéresse aux 7 premières souris qui sont sorties. Donc, c'est 7 souris sorties. Et quelle est la probabilité d'en avoir? Donc, dans l'exercice, j'en demandais quelle était la probabilité d'en avoir 2 blanches et 5, du coup, noires. Alors, ben là encore, je ne vais pas faire l'arbre, parce que finalement, ben si j'ai bien compris, toutes les branches qui réalisent 2 blanches et 5 noires, la même probabilité. Quelle est cette probabilité? Ben, une blanche parmi 16
Quelle est la probabilité d'avoir une souris blanche parmi 16? C'est 7 sur 16. Obtenir la deuxième souris blanche, une deuxième souris blanche parmi 16, ça me donnait 6 parmi 15 cette fois, puisque j'en ai plus, j'ai déjà choisi une souris, c'est 6 sur 15. Et une fois que je suis là, quelle est la probabilité de choisir une souris noire parmi 14 qui restent? C'est 9 sur 14. Hein, d'accord? 7 sur 16, fois 6 sur 15, fois 9 sur 14, et puis là, on enchaîne. 8 sur 13 pour la deuxième souris noire, 7 sur 12, 6 sur 11 et 5 sur 10. Donc ça, c'est la probabilité d'un chemin qui contient deux souris blanches et cinq souris noires. Alors évidemment, là, je l'ai fait dans l'ordre. La première blanche, deuxième blanche, troisième noire, quatrième noire, cinquième noire, sixième noire, septième noire. Mais je pourrais le faire dans un autre ordre, j'obtiendrai le même résultat. Par exemple, si je fais d'abord sortir les souris noires, ou j'alterne, une blanche, une noire, une blanche, une noire, et après que des noires. Une blanche en premier, 7 sur 16. La deuxième est noire. Deuxième est noire, donc j'ai 9 souris noires sur 15. La troisième, je veux une blanche. Il n'en reste plus que 6 sur 14. La quatrième, donc là, on est bien d'accord, j'ai blanc, noir, blanc. Donc j'ai mes deux souris blanches. Maintenant, je n'ai plus que des noirs. Donc j'en avais 9, il ne me reste plus que 8 ici. Donc j'ai 8 chances sur 13 pour la prochaine. 7 sur 12 fois 6 sur 11 fois 5 sur 10. Et vous voyez qu'au final, j'ai juste permuté le 6 et le 9 ici. Hein. J'obtiens exactement le même. Le même calcul, la branche a la même probabilité. Alors maintenant, combien j'ai de branches qui ont deux blanches et cinq noires? Donc je sais que toutes mes branches ont cette probabilité, mais j'en ai combien? C'est la façon de choisir deux cases parmi sept. Hein, j'ai mes sept résultats, j'ai mes sept souris. Où est-ce que je peux mettre mes deux souris blanches? Comment je peux écrire mon mot ici? Comment je peux écrire mon mot ici pour qu'il y ait deux blanches? Donc comment je peux parcourir mon arbre pour rencontrer deux blanches et cinq noires. J'ai deux façons, je dois choisir deux cases où je vais mettre ma blanche. J'ai 2 sur 7. Et ça, c'est aussi égal, évidemment, à savoir où est-ce que je vais pouvoir mettre mes blanches. C'est aussi égal à 5, la façon de choisir 5 souris parmi 7. Donc, le calcul le plus simple, on peut le faire à partir de celui-là. Donc, c'est égal à 7 fois 6 divisé par 2, c'est-à-dire 21 possibilités. 7 fois 6, 42 divisé par. Vous pouvez vérifier que 7, le choix de 7 parmi, de 5 parmi 7, c'est aussi égal à 21. Et donc le résultat final, ça va être 21 multiplié par ce nombre-là, hein, que je mets entre parenthèses ici. Et si vous faites le calcul, vous allez obtenir donc 23,1%. Donc c'est une première façon de répondre à cet exercice. Une deuxième façon qui est tout aussi valable, donc ça c'est la première méthode, qui est dans la logique de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Une deuxième méthode, c'est de se dire, mais voilà, je veux deux blanches et cinq noires. Donc en fait, finalement, j'ai choisi, sept souris sont sorties et il y en avait 16 au départ. Donc combien j'ai de façons de choisir sept souris parmi 16? Donc ça, on peut faire un calcul, ça donne 11 440. Donc ça, c'est le nombre de façons, en fait, finalement, de partir avec mes sept souris, en fait, d'avoir un résultat, le nombre de résultats possibles, en distinguant donc toutes les souris, mais sans prendre en compte l'ordre, c'est-à-dire qui est sorti en premier, qui est sorti en deuxième, qui est sorti en troisième. Ici, quand je parcours mes branches, je prends encore en compte l'ordre quelque part, hein, puisque ma branche, je la parcours dans un certain ordre. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise donc où est-ce que je pourrais mettre mes souris blanches ou mes souris noires, hein, pour compter le nombre de branches que j'ai dans l'arbre. Mais ici, voilà, j'oublie l'ordre dans lequel les souris sont sorties. Je me retrouve avec 7 souris qui sont sorties, 7 qui sont choisies, donc parmi 16. Et donc le résultat, c'est ça. Et combien j'en ai parmi ces 11 440? Combien j'ai de groupes de 7 souris dans ces 11 440 groupes de 7 souris? Combien j'en ai qui sont constitués de 2 souris blanches et 5 souris noires? Et en réalité, ça, on sait très facilement le calculer. C'est le nombre de façons de choisir deux souris blanches parmi les 7 souris, blanches, fois le nombre de façons de choisir les 5 souris noires parmi les 9 souris noires. D'accord? Attention, le 7 qui est ici n'a rien à voir avec les 7 qui est là, hein, les 7 souris sorties. Le 7 qui est là n'a rien à voir avec celui-là. Le 7 ici, c'est le nombre de souris blanches, hein, et là, c'est le nombre de souris noires. Et donc, ça va me donner
un certain nombre hein, que vous pouvez calculer. Et quand je fais donc, ça c'est le nombre de cas possibles, favorables, et si je vais faire ce nombre-là divisé par 11 440, je vais encore obtenir 23,1%. Vous pouvez le vérifier, ça fonctionne. Mais ce qui est, voilà. Et donc en réalité, ce que j'ai fait là, j'aurais pu le faire aussi tout à l'heure avec le calcul que j'avais fait là. Donc on avait trouvé 34%. 34% probabilité d'avoir une noire et deux blanches. Ben, j'ai trois souris, donc j'ai choisi. Donc finalement, combien j'ai de résultats possibles? C'est 3 souris parmi 16. Donc c'est-à-dire 16 fois 15 fois 14 divisé par 6. Hein. Donc ça, c'est égal à... Donc ça, c'est le nombre de façons que j'ai de choisir 3 souris parmi 16. 16, sans tenir compte de l'ordre dans lequel elles sont sorties. C'est pour ça que je divise par 6. J'obtiens 560. Alors maintenant, parmi ces 560 groupes de 3 souris, combien vérifie une noire et deux blanches? Donc une noire, ben, c'est la façon de choisir une souris parmi les 9 qui sont noires. Et deux blanches, c'est la façon de choisir deux souris parmi les 7 qui sont blanches. Donc ça fait une façon de choisir une souris parmi les 9 qui sont noires. J'ai 9 possibilités. Et là, ben, c'est quoi? C'est égal à 7 fois 6 divisé par 2. C'est-à-dire, donc au final, ça fait 9 fois 7 fois 6, donc 42 divisé par 2, ça fait 21. Donc là, j'ai 9 fois 21, ça me donne 189. Et si je fais 189 divisé par 560, eh bien, j'obtiens 27 sur 80. Et c'est bien le nombre que j'ai ici, 27 sur 80. Et donc, vous voyez, je peux retrouver le résultat que j'avais obtenu précédemment, mais d'une façon complètement différente. Simplement, donc, en comptant le nombre de résultats possibles et qui probables et le nombre de résultats qui me sont favorables. Donc, en faisant tout simplement de l'analyse combinatoire sur l'ensemble des résultats possibles. Voilà, ben, j'espère que ceci a un peu éclairci cet exercice. Et, ben, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.